Tout simplement, c'est un ouvrage, un pont qui est très utilisé. Le temps a fait son œuvre, le pont a un peu vieilli, il a été fragilisé, donc nous avons fait des études depuis quelques années et considéré bien évidemment que cet ouvrage devait être conforté. C'est un ouvrage en maçonnerie qui est relativement ancien, qui a 2 siècles environ. Donc là, en 2016, c'est plus tout à fait les mêmes exigences. On améliore aussi le côté esthétique de cet ouvrage pour avoir une entrée de ville qui soit la plus sympathique possible. L'ouvrage fait 50 mètres de long, avec 2 arches qui passent sur la rivière. C'est un ouvrage en maçonnerie avec déjà un tablier béton armé. Les éléments vont faire entre 12 et 13 tonnes, qui sont préfabriqués, donc qui font 5 mètres cubes de béton. Devant nous, on a une pièce qui est prête à être coulée. Donc on a un moule, une cage d'armature, il n'y a plus qu'à mettre le béton dans le moule pour avoir une pièce qui fera un élément de pont qui sera posé donc sur le futur tablier du pont. L'arche centrale qui était le point faible de l'ouvrage doit être renforcée. Donc pour cela, on a une équipe qui travaille, qui fait des micropieux. Sur ces pieux, on fait 2 pièces béton qui viennent reprendre le futur tablier qui va être posé dessus. Et je salue véritablement aussi les riverains qui nous ont dit, grosso modo, vous êtes chez vous, on vous fait totalement confiance. Et on passe avec cette passerelle très très utile pour l'ensemble des piétons. Lorsque M. Descoux m'a demandé s'il était possible, à cause des travaux qui allaient se faire sur le pont, de laisser un passage qui serait fait dans mon jardin, ben j'ai forcément dit oui. J'allais quand même pas me permettre d'interdire aux gens de la Châtre d'aller d'un côté de la ville et pas de l'autre. La ville de la Châtre accompagne cette réflexion avec la reprise des réseaux divers et variés, eau potable, assainissement, éclairage public. Et on vient aussi agrémenter le pont avec la mise en place de fleurs, d'arbustes, etc. Il fallait le consolider, ben il va être consolidé. C'est pour le bien de tout le monde. Et c'est notre politique que nous menons et nous entretenons et nous continuons à investir pour l'ensemble de notre patrimoine de ce département.